Que le combat commence! Salut à tous, c'est Bazon. Bienvenue sur Bahageek et je suis avec Razor. Hello tout le monde. Alors, une autre arène, je suis vraiment désolé, vous n'avez pas eu le choix des cartes encore, j'ai fait une boulette sur la vidéo, donc je m'en excuse, mais c'est un beau deck. Ouais, il est beau. Voilà. Alors, courbe de mana très équilibrée, bon, on ne regarde pas le tour 5, mais bon, de toute façon, comme je disais, hein, j'applique la méthode Torl, qui est donc, c'est des créatures 5 et plus, donc c'est bon, on est bon. Même si on n'a rien en 5, tout va bien. Alors, ouais, gros deck, 3 AOE. Donc un blizzard, 2 flamestrike, pas de boule de feu malheureusement, 2 éclairs de givre, donc en sort on est pas mal. On a rien pour les... Quelques secrets aussi. Quelques secrets, ouais. Il y a 2 secrets, dupliqué entité miroir, donc ça c'est parfait. De bonnes créatures, en fait on a des bonnes créatures à tous les niveaux, il y en a 2 bêtes noires on va dire, c'est l'acolyte de la souffrance qui est pas forcément génial. Mais on a un mage, donc bon, ça peut aller encore. Ouais. Et on a le fusilier qui peut faire du card advantage, mais ouais, c'est assez situationnel. Ouais, c'est, voilà. Bon, c'est pas non plus des mauvaises cartes. Mais, bon, on va dire que pour 5, on tue une créature à 2 hein, quand même. Hein, parce que bon, ping plus, ouais. Plus la créa, voilà. C'est un peu utile pour les conflits voilà. Divins aussi. J'ai pris ça parce que le reste c'était de la merde. Hein. Franchement, il y avait fait follet ouais. Et un murloc peut-être de 1, j'en sais rien, mais c'était nul. Ah, c'est pas gérable, ouais. Donc voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a en belles créatures? Bah, il y a que des belles créatures en fait. On a 5 mechas plus un explomage, donc ça peut être une belle combo. Ça peut bien synergiser. Ouais. On a que des bonnes créatures, hein. Je vois pas de. À part les deux que j'ai dit. Marche-soleil qui est très fort, commandant d'argent qui est très fort, ouais. Chevalier de la mort spectrale, très solide. Ça manque d'un crash base. Le mec qui veut tout. Non, c'est vraiment très bien. Si on reprend les comptes, on a Croc Zombie pour commencer, ça c'est très bien. Donc si on reprend les comptes à la Millennium, donc on a combien de tours? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tours 1 et 2, il en faut 6 ou 7, parfait. Tour 3, 1, 2, 3, 4, 5. Il en faut 5 ou 6, je crois, donc c'est bon. Oui, on peut compter l'entité miroir comme une créa, hein, donc. Non, j'ai pas compté l'entité miroir. Oui, par contre, oui, t'as raison. Et on peut compter. Ouais, t'as raison. Exactement. Donc ça fait une créa en plus, donc c'est bien. Et on va dire qu'on peut déduire la colite de la souffrance si on n'est pas content, parce qu'elle n'est pas forcément géniale. Ensuite, en tour 4, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a beaucoup, mais on peut enlever le brise-sort parce que bon, c'est. On la jouera pour une autre raison bien précise. Mais ouais. Voilà, ça reste quand même une bonne créature, quoi qu'il se passe. Donc on a beaucoup de tour 4, ça c'est très fort. Tour 5, on en a. Et après, 5 et plus, on a 1, 2, 3, 4 créatures, c'est un peu léger. Mais bon, ça on compense par les AOE et le grand nombre de tour 4. Ouais, bah les 2 flame strike vont faire très très mal. C'est hein. Ça. Ok, on est parti? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, tu peux me spectate. Donc l'objectif, cette victoire, bon ça c'est, hein, comme je disais, enfin, le vrai objectif c'est 12 wins, hein, bien sûr. Mais bon. Le Graal. Ouais, le Graal, mais pour l'instant il se cache bien. Seul le pénitent peut le passer, comme dirait Harrison Jones. Ouais. Exact. Harrison Jones, oh là là. Harrison Jones. Comme dirait Harrison Ford, mais pour l'instant le pénitent, ouais, j'ai pas assez prié, je crois. Ok, allons-y. Allez, voyons ça. Et nous jouons contre un chaman. Un chaman. Rediska. C'est un russe, ça. Ok, on garde que le tour 2, hein. Ouais. On a du tour 3, on va aller chercher, hein. Bah voilà, on a ce qu'il faut. Super, 2 tours 2, donc on va pouvoir jouer la pièce tout de suite. On est contre un chaman, donc on va commencer par le Noyotron quand même. Est-ce qu'on joue la pièce tout de suite? Parce que si je joue pas le limon après, ça sert à. Oh, en même temps, j'ai un totem. Qu'est-ce que t'en penses? Avec cette main-là. Ah, je me demande si ça vaut le coup. Putain, totem. Je dis, on a un totem, non, on est sérieux. Alors, on est mage, nous c'est le mage, voilà. Le chaman, c'est le méchant. Ok, œuf de dragon, même pas peur. Pas terrible, ouais. Je passe, hein. Ouais. Je fais pas, c'est le prochain tour, je ferai du brut rogue, hein. Pièce brute, ouais. Ouais, c'est direct, vrai. Comme bien ça. Solide. Ouais, tout à fait. Très très solide, la brute. Alors. Ouais, la brute, c'est vraiment une bonne carte. Ok, ça, un petit on peu s'en mou fout. Le bord adverse, donc c'est parfait pour c'est nous. C'est tant mieux. Et on y va.
ça va. Ah, j'ai eu. Bah non, je vais pas te le dire. Je viens de faire mon quatrième cracking booster. Ouais. Plutôt sympa. En gros, ça veut dire qu'il y a eu quelques légendaires. C'est toi qui m'as dit la police de la Luck là. La police de la Luck. Ouais, bah tu vas voir celle-là alors. Je vais essayer de la mettre en ligne demain. Elle est plutôt sympa. Donc ça, on s'en fout. On s'en fout. On attaque, hein. Ça de 2, hein. Ouais. Voilà. Et on joue l'Omniotron. Ouais. C'est bien ça. Ouais, le limon, on va essayer de le garder parce que le shaman a quand même quelques armes qui sont assez sympathiques. Donc. Par contre, je suis un peu déçu, je n'ai pas de légendaire. Ah, c'est sûr que quand on a fait une arène avec du Dr. Boom. Ouais, ah, par contre, j'ai oublié de mettre mon deck dans. Ah, zut, tant pis, on verra plus tard. Oh, la carte qui est un petit peu inutile là. Bah, il a que des mauvaises cartes, hein, le pauvre. Ouais, ouais. Sérieux, Orion de Givre, alors ça se prend pas. Bon, il a quand même réussi à tuer. Là, ça fait le café, hein, mais c'est nul. Ça sert à rien de silence ça. Croc, ping. Croc zombie et ping, ouais, ça me paraît. Ouais, bien. Croc, ping, et on la tue. Vu le bord adverse, on peut se permettre de jouer à l'écran. Ah bah là. Y'a pas de soucis. Non, en fait, ouais, je pense que. Peut-être qu'il avait un challenge d'un mec, il a dit ok, tu prends que des cartes à zéro d'attaque. Ou alors il a peut-être deux furies sanguinaires dans le deck. ouais, là par contre, je rigole vraiment. Bah attends, tour 5, vas-y. Sort là. Pour l'instant, c'est vrai que toutes ces cartes qu'il a jouées sont mauvaises, à part l'œuf de dragon qui peut être correct, mais. Mais bon. C'est... Ouais, et encore, c'est pas terrible. Bien. C'est un totem déguisé en œuf, quoi. Ok, ça me plaît moins. Ah, ça crée une verge. Ça va falloir le gérer. Va falloir le silence, hein. Je vois pas ce qu'on peut faire l'autre. Hein. Faudrait que je loot une pièce pour avoir un blizzard. ok, trêve de conneries. On la silence. Hein. Ouais. De toute façon, là. Là, on va commencer à arriver dans les tours, on va poser des grosses créas. Donc, Ouais, le problème c'est qu'on peut pas avancer pour l'instant. J'espère qu'il a pas un totem de soins. Bon, ça changera pas grand chose, mais bon. Là, il va pouvoir enfin gérer une de nos créas. Alors, en carte à monter, j'en ai à combien? Alors, pardon, mais pour moi, il a qu'une carte sur le board. Hein. Le reste, c'est mort. Non, mais c'est vrai. Le dragon, c'est. Oh, il utilise un maléfice sur une 4-3. Oh là là. Ah, j'espère qu'il. C'est bien pour nous, ça. J'espère qu'il a un étang à côté de lui, parce que sinon. qu'il en ait beaucoup dans son deck. Sinon, oui, il a vraiment un deck horrible. Là, franchement, le Blizzard, il. On a 4 AO, on a 3 AO, j'ai vraiment envie de le jouer le Blizzard. Pourquoi il a fait ça? Ouais, c'est un peu. C'est bizarre un peu ou pas? Ah oh, bah oui, là il faut nettoyer le board. En plus, attends, il nous l'a mis à portée ce con. C'est ça. Eh bah écoute. Il nous prépare le terrain. C'est ça. Ah, ça va quand même générer un. Bon, on s'en fout, on le laisse. Oh, bah non, on s'en fout totalement. T'as vu? Il a été gelé? Ouais. Ah ouais, j'avais remarqué ça déjà. Space? Il est déjà arrivé. Bon bah écoute, on le laisse tranquille. Oui. Ah oui, parce que c'est pas un râle d'agonie. C'est pour ça. Ouais. Oh là là, il a que des tontes absolument dégueulasses. On va rigoler avec lui. Je pense qu'il y a vraiment qu'un prêtre que tu peux prendre des cartes comme ça, avec un choix de Vélène ou un feu intérieur, mais là. Je ping et je joue le chevalier à mort spectrale. Ouais. C'est bien ouais, ça. Ça paraît bien, ouais. J'attaque pas. Je peux. Oui, je peux. Ouais, tu pourrais commencer le travail, ouais. Comme ça, tu le mets à portée déjà. Voilà. Et c'est un Neutron qui aura tenu jusqu'au tour 8 quand même. C'est assez énorme. Ah bah voilà. Ok. Tu crois qu'il l'a pas posé parce qu'il pensait qu'on peut pas en mettre deux en même temps? Il commence à jouer du lourd par contre, hein. Là. Ouais. Bon, on peut faire une chose. Bon, on va tout gérer sauf sa 4-5. On ping, ouais. on attaque l'autre, et on joue. Le Brutog. Marche-Soleil. Oui, Marche-Soleil, ouais. Oui, ouais, bah il va nous descendre. Ouais, mais il va mettre tout son tour à faire ça, donc c'est bien. Ou non ouais. Si, on peut faire ça. Ok, alors, on fait ça, ça on est sûr. Maintenant, Brutog ou Marche-Soleil? Bah Brutog, comme ça on défend nos créatures quand même, c'est peut-être mieux. Marche-Soleil, pardon. Ouais. Ouais, Marche-Soleil.
Pourquoi je l'ai positionné ici? Faut que je prenne en considération le loup alpha surtout. Ok. Non, non, il y a un taunt. Ah, ah oui, il a vraiment pris des cartes space quand même. Il est aléatoire, tu crois, ou... Il a fermé les yeux, il a cliqué. Ok. Alors. Bon, déjà, je ne joue rien tant que. Tant que. Dans tous les cas, il va falloir. Alors, moi je dis. Moi je dis la 4-5 sur l'abomination. Le taunt, ouais. Là. Ouais. Ensuite. Ah, ça va tuer notre. Non, on fait ça d'abord, je suis con ou quoi? Parce qu'elle meurt après. Ouais, de toute façon, elle serait morte. Ensuite, avec on fait ça. Et après, on met ça. Ah oui, non, c'est vrai que je pouvais la tuer comme ça, bon, c'est pas grave. Ah bah non, bah, je vais jouer ça directement. La charge. Ouais. Comme ça, hop. On s'éteint un peu, mais bon, vu qu'il lui reste 3 cartes. Là, alors, une tempête de fou serait désagréable. Oui. Alors, en carte advantage, je veux pas dire qu'on est bien, mais presque. On a juste 6 de plus que lui. Oh là bon, là là là. Je surrend, attends. Il est spécialisé dans les tontes de première classe. Je crois qu'on l'a menti, hein. On lui a dit quand tu. Bon, ben voilà. Ça a été rapide. Rebiska. Et une victoire. C'est un bon début. Pas mal. Ah, je vais avoir deux quêtes qui vont se remplir. C'est parfait. On ok. Va dire que c'était pas un match très significatif vu la qualité. Ouais, tout à fait. Ouais. Exactement. Bon, allez, je vais suivre ton conseil. On va faire plus d'une game par partie. Oui, bah ça a été rapide en plus. Comme ça, on est à 11 minutes là. Donc, allons. Allez, hop, c'est parti. On lance tout de suite la deuxième. Ouais. J'ai eu un viewer qui m'a dit que mes commentaires étaient soporifiques. C'était très gentil. Non, mais c'était une arène où j'ai fait tout seul. Oui, je bah, peux c'est, comprendre. C'est, voilà. C'est je peux comprendre que faire les arènes tout seul, c'est un peu plus difficile à. Enfin voilà, c'est à animer. Hein. Voilà, j'essaye au maximum de parler, mais je suis pas non plus un grand bavard. Enfin, ça dépend. Mais... Donc voilà, donc et il m'a dit aussi, c'est pas, non, c'est un autre ça qui m'a dit, sors pas 11 vidéos par jour parce que sinon. Donc voilà, là on va faire plusieurs games par, par partie, alors, on verra a, ce que ça donne. On a le meilleur tour 1 possible, donc c'est. Ouais, et on a le pire tour 3. Je vais faire le tour 3 ou... Oui, oui. Ouais, de toute façon, si on s'en sert, on s'en servira pour un, sur un tour 5. Ok. Putain, il a même pas un nom de rôle, on peut même pas se moquer. Ouais, bah il revient. En même temps, on a rien d'autre donc. Ah, après contre Paladin, ça peut être utile. Oui. Un bouffeur de taunt. Voilà, c'est de token, ouais. De token, oui. Pardon. Bah là, non, bah là, on fait. Ping et. Ouais, ouais. Oh, ouais. Le limon, je pense, pourrait être très très utile. Oui. Ah, ouais, ce serait bien. Parce que la championne en vrai argent pour le Paladin, elle fait une telle différence en arène. Ou Tyrion. Ouais, on parle pas de malheur. Ouais. Ouais, si la tire, on est mal quand même. J'ai pas de. Ouais, j'ai on pas a un silence. On a un silence. Oui, c'est vrai. J'ai pas de bouton. Ok, et ben on le joue. Je vais quand même le jouer. Ouais, ouais, ouais. On gère, bien sûr. Ouais, ouais. Quoique. Si. C'est un paladin. Dieu. Bon, ouais. Il est qu'au tour 3, mais il a pas joué sa pièce, hein, si je dis pas de bêtises. Regarde, là il va jouer la pièce. Voilà. Et un secret. Et un secret. Ça. Bon. C'est un petit peu dommage. Donc le sacrifice, tu crois? Ouais, il y a des chances, ouais. Ou alors en venger. C'est les deux secrets qu'on voit le plus. Quoi qu'il se passe, je peux gérer sacré en même temps. Moi je sens le noble sacrifice, j'ai envie de tenter. Je pense que. Ouais, ouais. Allez, on tente, on est de ouf. On est en premier avec la coulisse, voilà. Ok. Bon, c'était pas un noble sacrifice, mais c'est bien. Ah, ben voilà, parfait. Le top deck qui va bien. Exactement. Et on joue. Oui, ça, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, bah, de toute façon, c'est qu'un vengé, hein, on n'a pas d'autre choix. Parce que le reste. Bah, non.
Ce serait œil pour œil. Bon, qui prend œil pour œil? À part le mec qu'on a rencontré juste avant. Ah ben voilà, la championne, on en parlait. Ouais, j'aurais préféré qu'il attaque l'autre, mais... T'es prêt à avoir le croc zombie qui va durer jusqu'au tour 8? Moi, je suis pas sûr qu'il faille jouer le limon tout de suite, parce que là, il est gelé, donc il pourra pas s'en servir dans tous les cas. Oui, t'as raison, vaut mieux peut-être avancer. On pourrait poser une grosse créa. Le Yeti? Ouais, ou l'élémentaire qui pourrait le geler à chaque fois. Oui, t'as raison. Exactement. C'est mieux. Là, on peut vraiment l'handicap. Tant qu'il peut pas utiliser son arme, de toute façon, on peut garder le limon. Ouais. Carrément. Crash vase. Bon, on va l'utiliser le limon quand même. Vu qu'on va pas pouvoir passer, on va utiliser le limon. On est d'accord. Ouais. Voilà. Maintenant. Bah... On tue son crash vase, hein. Oui, oui. Dans tous les cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? L'inventrice? Pour piocher? L'inventrice, ouais. Ouais, ouais. On a du dégât, déjà, donc on... Ok, après il sort, parfait. Il a même pas dit bien joué quand on lui a cassé son arme. Il a ragé intérieurement sur ça. C'est ça. Et là il en sort une deuxième. Ah ouais, écoute, de toute façon. Ok, Benedero. Le mec, quoi. C'est pas trop un problème, hein. Ouais, il va la buff à mort, du coup on est en silence. C'est vrai. Alors là, faut pas faire n'importe quoi. Parce que ça va sûr, c'est sûrement un venger. Le venger qui fait. Ça booste de combien déjà le venger? C'est plus. Plus 3, plus 2. Plus bon. 3, plus 2, ouais. Donc le mieux c'est d'attaquer son truc là, et comme ça je pourrais ping et attaquer. C'est ça. Non, bah non, faire l'autre alors. Parce que sinon on va mourir quoi qu'il se passe. Autant que je prenne qu'un point de dégâts. Oui, oui, oui. Voilà. Venger. Voilà. Parfait. Voilà. Carte advantage, il est à 5, nous sommes à 6. Sachant qu'il avait la pièce, il a pioché une fois de plus. Il a eu une carte de plus, donc on est très bien. Et on a nos deux créas qui sont hors portée d'un d'une consacre. Donc... Exactement, en plus, oui. Égalité consacre par contre. Oui, ça serait cher payé. Ça, c'est pas dérangeant du tout. Ça appelle le marche-soleil. C'est un appel au marche-soleil, ouais. Exactement. Marche-soleil, on s'étale pas trop. Ouais. Et on attaque. Voilà. Tu préfères quoi, ton arène, le marche-soleil ou le crash-vase? J'ai tendance à dire crash-vase, c'est vrai que ouais. Le rip-hop est quand même... ouais, ouais, j'aime bien son rip-hop. Et puis il intervient un tour plus tôt, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai. Alors, n'oublions pas qu'on nous avons... Oh là, ça coûte cher, hein. Waouh. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va... Si, il va couper, il peut la gérer quand même. Oh là 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 là. Oh là là. Mais c'est nul. Pardon, mais c'est... Non mais... Enfin... Alors... Donc, le pouvoir de héros du mage, c'est un ping. Voilà, je lui ai dit. Donc... Ouais, là, c'est cadeau, hein. Est-ce que je gère sa créa, déjà? Je peux le mettre à 9 PV. Mais je suis pas sûr que ça vaut le coup. Non, je veux garder un mecha quoi qu'il se passe au cas où j'ai l'explomage. Ouais. Bah, je vois le Yeti mécanique. Yeti mécanique, ouais. Et je veux pas go face parce que sinon je perds toutes mes créas. C'est dommage. Mm-hmm. Yeti mécanique, c'est la seule qui passe à travers son arme. Donc, Ouais. Et je ping, c'est tout. Ou non, je peux la gérer, sa créa. Ah non, j'ai déjà ping, pardon. Non, sinon, genre. Et est-ce que tu mettrais pas le maître l'âme blessée avec aussi? Ouais, je peux. On a encore 3 cartes pour repartir derrière, au pire. Donc, ouais, je peux. On est quand même pas mal. Et en go face, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais là, ouais, c'est. Toutes les créatures soient à 3 PV, c'est pas génial. Ça, il peut perdre 2 PV. Voilà. Alors, est-ce qu'on a l'étal? Pour l'instant, on l'a. Pour l'instant, on l'a plus. Bon, là, on l'a vraiment plus. Parce qu'on avait 6, 10. Ouh, ouais, là, ça devient embêtant. Bon, on peut quand même tout gérer, mais c'est embêtant quand même.
Il va falloir utiliser le commandant d'argent. Ouais. Ah, regarde. Regarde-moi ça. Hein? On disait qu'il était nul. Bah, on va utiliser le commandant d'argent quand même, hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Oui. Ah, ouais, là, oui, c'est sûr. De sauver un maximum de créas, quand même. Donc, on fait. Ah, mais je peux pas faire. Alors, attends, on va faire ça. C'est soit je ping. Ouais, c'est mieux comme ça, je perds pas ma, je perds pas ma 4-6. Ouais, ma 4-5, ouais. Ouais, c'est mieux. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je fais ça. Je ping. Je fais ça. Et je joue Murloc. Parfait. Voilà. Bon, là, la consécration. Oui, la consécration fait mal. Et elle est là. On l'appelle en même temps. Oui, oui. Alors, il a une pièce détachée. Oh, j'ai fait un truc de ouf. Je déconne. Oh, mais j'ai trop envie de le faire. Ouais, on le fait. Attends. 3, attends, 4, alors, dans 2, 3. Bon, on va faire ça déjà. On va faire ça. Ouais, on va ping hein, pour l'instant. Ouais, bah ça suffit. Hein. Ah, j'aurais quand même posé le déchiqueteur plutôt que la micro-machine. Ah, bon, moi, je suis encore à portée de consacre. Ouais, mais faut pas abuser. Putain, elle est troisième. Hein. Ah, ouais, ouais. Ah, il était garni en arme, ouais. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, bah là, il me cherche. Hein. Ça me vient embêtant. J'ai pas envie de dupliquer ça. Hein. Je joue le déchiqueteur. Je fais quoi? Je crache ma créa sur son golem. Je le ping. Et je joue le déchiqueteur. Oui, oui, oui. Et avec dupliqué. Ouais. Ça peut être pas mal. Bah soit déchiqueteur en dupliqué, c'est bien. Ah oui, oui, carrément, ouais. Là, il va certainement venir taper, voilà. Merci, deux déchiqueteurs gratuits. Bah, de toute façon, il aura pas le choix. Mais... Ça va. C'est vrai que les repop, c'est joué si facile. Alors, je pourrais pas tout clean. Ouais, il joue rien d'autre. Créa, là. Hein. Flame strike, parfait. Bon, mais tout, hein. Oui, oui. Voilà. Il a joué combien de consecs? Une? Trois. Une et trois championnes. Ouais. Crash ta main. Toujours okay, pas. C'est ça, pas c'est pas grave. Je crois que c'est létal, hein. Bah oui, c'est létal. C'est terminé. Oh là là, il n'a même pas le létal. Le dupliqué, il a fait okay. Ça. Et voilà un petit 2-0. Tiens, j'ai validé une quête, cool. Alors. Ok, 2-0, je vais juste. On va s'arrêter là pour cette vidéo là. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. A tout de suite. Travail terminé.